Alors, en ce 21 décembre, je viens tout simplement vous souhaiter une belle célébration de la jouissance! Aujourd'hui marque une journée bien particulière pour de nombreuses personnes à travers le monde, car le 21 décembre est désormais célébré comme la Journée mondiale de l'orgasme. Cette initiative naît de la volonté de démystifier la sexualité et de promouvoir la santé sexuelle prend de l'ampleur chaque année. Loin d'être une simple excuse pour l'indulgence personnelle, cette journée vise à sensibiliser sur les aspects positifs de la sexualité et à encourager une communication ouverte autour du plaisir intime. Des événements sont organisés dans de nombreuses régions du globe, allant de discussions éducatives à des manifestations artistiques célébrant la diversité des expériences sexuelles. Les promoteurs de cette journée mettent l'accent sur l'importance de la santé sexuelle en tant que composante essentielle du bien-être général. Ils soulignent également le rôle crucial d'une éducation sexuelle complète pour favoriser des relations saines et épanouissantes. Cependant, la Journée mondiale de l'orgasme suscite également des débats et des controverses, certains critiquant son aspect commercial et le considérant comme une banalisation de l'intimité. Malgré cela, les organisateurs restent convaincus que cette journée contribue à briser les tabous et à favoriser une société plus ouverte et inclusive. Que chacun choisisse de célébrer cette journée de manière personnelle ou de participer aux événements organisés, la Journée mondiale de l'orgasme encourage une réflexion sur la sexualité, l'autonomie corporelle et la compréhension mutuelle dans l'espoir d'établir des normes plus saines et respectueuses dans le domaine de l'intimité. Faites l'amour, c'est tout. Boisma TV, l'autre télé, by Pro Org.